la gestion des pourboires. Les étudiants en gestion hôtelière du Collège Mérici passeront bientôt moins de temps sur les bancs d'école. Dès la session d'automne prochain, c'est entre 8 et 10 heures par semaine de leur formation qui se fera directement en milieu de travail dans les établissements hôteliers. Plutôt que d'avoir un stage de fin d'études, c'est vraiment une formation dès le début. Donc, le milieu de travail favorise le perfectionnement des compétences apprises en classe. Puis nous, bien, dans le fond, on prépare les étudiants et eux, ils continuent la formation tout au long de leurs expériences. En place avec succès depuis un an dans son programme de gestion des établissements de restauration, le collège a décidé de l'élargir à celui de l'hôtellerie. Sur 3 ans d'études, c'est ainsi près de 700 heures de formation qui se feront sur le terrain. Des heures rémunérées, un aspect non négligeable pour les étudiants qui n'y voient que du positif. On se rend compte qu'en travaillant en même temps, on peut repayer quasiment la totalité de nos études, fait que c'est vraiment un plus pour les étudiants. On applique vraiment ce qu'on voit en cours, puis là, on choisit le département qu'on désire exploiter selon ce qu'on désire selon nos champs d'intérêt. Puis c'est vraiment une belle alternative pour les étudiants. Pour l'Association hôtelière de la région de Québec, cette initiative est comme une bouffée d'air frais afin d'aider à combler les nombreux postes disponibles dans plusieurs établissements. Oui, ils vont être en stage 2 jours par semaine rémunérés, mais s'ils désirent que ça devienne leur emploi en plus, ils peuvent rester pour le samedi-dimanche, par exemple, rajouter des heures supplémentaires. Donc, c'est un win-win vraiment pour l'établissement hôtelier, mais également pour l'étudiant. Notre autre saison ne termine pas le 31 août. Donc, le fait que durant les mois d'automne, on ait encore des gens qui retournent aux études, mais qui soient disponibles pour travailler, c'est vraiment pratique. La demande pour ces étudiants risque d'être plus grande que l'offre. Le Collège Mérici espère néanmoins pouvoir placer une trentaine de ses élèves dans les établissements de Québec dès l'automne. José Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec.